Ça va, John? Jake, je donne à toi. Voilà. Lui, il est fort, madame. Lui, il est fort. Il faut aller le voir à un spectacle. Il est comme ça. Émile à la recherche d'Angelina, c'est le personnage incontournable du off pour cette 52e édition. Entre une présence scénique détonnante et un plaisir de jouer devant un public conquis, Eric Fanino nous entraîne dans son univers décalé. C'est bien le spectacle. À l'autre carnot, voilà. Émile à la recherche d'Angelina. Mais... Il y a fou là, ça va les gars. Oh là là, mais... Oh, je suis Émile, Mimile pour les intimes. Le look, c'est de famille. Moitié âge, moitié des... Qui a dit débile? Des morts de midi moins 10, midi moins 5. Hein. Mais vous avez raison, madame. Oh, on dit de moi que j'ai quelque chose qui titille. Quelque chose qui cloche. Quelque chose qui dérange. Alors, pour tout vous dire, hein, entre nous, hein, on a détecté en moi une maladie orpheline, la maladie de la fixette. Alors à quoi ça consiste? Au début, tout se passe bien, et puis d'un coup, pour une grande émotion, une petite contrariété, tout ça, d'un coup, je bloque et je fixe. C'est un peu inspiré, on voulait un peu parler de la différence, tu sais, du handicap, tout ça, mais bien sûr, sans se moquer, quoi, voilà, sans moquerie, voilà. Pour dire qu'en définitive, dans ce monde de gens ordinaires, ben, il y a des gens un peu plus extraordinaires, voilà. Ah ouais, t'as vu, ça donne envie d'aimer, hein? Alors... Angelina. Moi, je suis minuscule. Alors, attends, je la trouve, Angelina. Oui. C'est oh. Oh là là, mais... Je sais pas s'il y a des Angelina, mais... En tout cas, c'est pas joli joli, hein. Oh là là, il est où le bonheur? Il est où? Il est pas là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est pas là. Non mais, oh, attends, alors. Brune, bouche pulpeuse, poitrine généreuse, regard de braise. Alors Angelina, t'es où, oh? Il est là. Je tombe nez à nez avec un espèce de militaire, tu sais. Il devait faire au moins 2,50 m, hein. 250 kg. Un peu comme le champion du monde de judo, tu sais, Teddy Riner. À part que lui, c'était Teddy le ruineur. Ah ouais. Oh, il m'a ruiné, oh. En plus, il avait des rangers au pied, d'une pointure de 57, hein. On aurait dit qu'il avait deux zodiacs au pied, tu sais. Tu vas me dire, oh, pour faire Vigipirate, c'est pratique, hein. Oh, là, écoute-moi, pas le temps de communiquer, de discuter, d'un coup, ça lui prend comme ça, il m'attrape par les épaules, il me soulève à 30 cm du sol, comme ça. Oh, et là, il commence à me dire, j'ai rien à déclarer. C'est le mec qui m'a crié dessus, il fallait me faire pipi dessus. Oh. J'ai rien à déclarer. Oh, oh. Pourquoi? T'es des impôts. Comme je voyais que ma réponse ne lui convenait pas, je lui crie RSA. RSA.